je vais faire un super tour à Jérôme. C'est un truc que je viens de ramener d'Asie. J'espère que ça va lui plaire. J'espère que je vais réussir à le bluffer pour une fois. J'ai mis mes objets en place et on va improviser. Jérôme ? Ouais ? Tu peux venir 5 minutes ? T'as fini ou pas ? Ouais, ouais. Bah, viens, viens et tu finis après. Un bon tour, tu vas voir, tu vas adorer. Jérôme, 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 je suis en train d'enregistrer en plus. Viens-moi, viens-moi. Jérôme, Jérôme. J'arrive, j'arrive. J'ai mis la caméra en route. Hein. Mentalisme. Je sais que tu adores. Je sais que tu vas rigoler, tu vas dire ça va encore louper. J'ai pris des objets au hasard hein, que j'ai trouvé rapide pendant que je fouillais là, un dé, un jeu de casino, un jeu de cartes, des objets, on peut en prendre d'autres. Je connais pas, tu me fais le tour pour faire le tour ou ah, c'est... juste pour filmer? Non, non, c'est. Je filme toujours parce que j'aime bien le faire, mais oui. On le fait entre nous là. C'est un tour de mentalisme, je vais essayer de prévoir ce que tu vas faire. Donc je vais prendre un bout de papier, je vais marquer des trucs et. Par exemple, prends un objet qui te plaît, montre-moi-le, n'importe lequel. Jeton de poker. Jeton de poker, et, et on peut en prendre plein, hein, mais... Le dé. Un dé? Allez, ok. Ça ne te plaît pas Non. Voilà. Je vais faire une prédiction, sur le moment, j'aurais pu le faire hier soir, ça marche aussi, j'aurais pu le faire il y a une semaine, j'aurais pu l'envoyer par la poste. Mais je vais le faire comme ceci. Alors, J'aurais pu l'avoir préparé à l'avance. Hein. Le sommeil. C'est que l'élection. Donc je mets là. Je mets là. On voit pas au travers, donc non, ça va. Non, je vais pas mettre ça par-dessus. Ouais. Je vais me retourner. D'accord. Et tu vas prendre n'importe quel objet. D'accord. Ouais. Celui que tu veux. Ouais. Et au moment où tu l'as pris, je ne sais pas lequel tu vas prendre, je ne sais pas si tu l'as encore pris, dès que tu as pris un objet, tu le mets dans ta main droite. Ça y est. Après, tu en prends un deuxième. Ouais. Je ne sais pas celui que tu prends, hein, tu le mets dans la main gauche. Prendre... Ouais. Par contre, je ne sais pas, ce que tu as pris en premier ni en deuxième, tu avais un dé, un jeton de poker, casino, et un jeu de cartes. Et là, il y a un jeu de cartes. Ok. En tout, il y a trois trucs. Jeu de cartes, poker et dés. Il doit en rester un. Celui-ci, tu le mets dans la poche. Ok. Je peux m'en tourner ? Donc, je ne pouvais pas savoir ton choix, ta façon de réagir non. Au moment où je parle. Impossible. Dans ces conditions, c'est fort. C'est fort ? Ouais. Main droite, j'ai dit jeton de poker. C'est marqué là. Poker. Main gauche, un dé, et la poche, un jeu de cartes. On voit pas trop bien la caméra, là, mais c'est ça. Une petite idée, ça te rappelle quel tour? Ouais, ça me rappelle la currency. Sauf que là, il n'y avait pas Sauf de bruit. Sauf qu'il n'y a pas de bruit. Alors, attends. Mieux, regarde. Est-ce que tu as des objets à toi? Téléphone, clé, c'est tout. Ce que tu as dans la poche, n'importe. Ou tu peux reprendre cela, mais pour... J'ai ça, ça. Alors, les clés, jamais. Il y a un dollar. Il y a un dollar, vas-y, pose. Choisis-en deux, au hasard. Pas de choix, pas les clés. Ça, c'est vraiment parce que ça s'entend. Hein. Ouais, c'est pas pour, parce qu'on peut parler des clés, on peut, mais c'est trop facile. Entre les trois. Ouais, ouais. Ou ça et ça, mais ce que tu veux. Allez, ça, mon portefeuille et la pièce. D'accord. Portefeuille et la pièce. Allez. Ok, ça, tu gardes. Ça, on pousse.
Prédiction? Je me concentre. Est-ce que tu peux passer tes deux mains comme ça au-dessus? Une main, une seule main. Tu as l'impression que ça sert à rien parce qu'il y en a beaucoup qui font des chichi comme ça, mais moi ça sert. Je sens, je ressens des trucs. Si là ça marche, c'est fort. Alors, on va toujours faire main droite. Hein. Mais bon, tu peux laisser. J'ai tout capté. Oui. Pour l'instant, t'as pas d'idée. Pour l'instant, j'ai une petite idée, mais c'est. Je sais pas si c'est ça. Attends de finir, voilà. Peut-être que ça va. Ça va parler un tour de Gaëtan Blum aussi, mais lui, il dit du fil. Et apparemment, c'est pas ça. Là. On reprend les objets, hein, si tu penses que je les ai mis vite fait. Non, non, parce que ça va, je le verrai quand même. Voilà. Quelle idée, l'idée. On va voir, fais-le avec ça d'abord, on va voir comment tu t'en sors. Je bouge tout ça. Tu prends un des deux, celui que tu veux, n'importe lequel, tu le prends. Ouais. Et dès que tu l'as pris, tu le prendras ou tu vas le prendre, je sais pas, tu le prends et tu le mets dans ta main droite. D'accord. Et l'autre dans la main gauche. Ok. Tu peux vérifier, pas de caméra, pas de... rien. Alors, prédiction, avance. Main droite, j'ai mis le dollar. Ouais. Et main gauche, le wallet. C'est ça? C'est pas mal. Bon, je te dis pas le prix, parce qu'en fonction, s'il est très cher, ça pourrait te dire quelque chose. S'il est très peu cher, ça pourrait t'influencer aussi. C'est vrai que le prix, on se rapproche. Si on sait que le prix, on connaît le. Mais si c'est l'électronique. Mais je sais pas où est-ce qu'elle peut être. Parce que, ouais, voilà, si c'est l'électronique, c'est balèze. Bon là je suis un peu enrobé, je te montre pas mon ventre, mais pas rien dans les poches, rien dans les... tu peux toucher, tu peux... Si c'est de l'électronique, ben, je vois pas comment, avec tes objets à toi à la rigueur, mais bon les miens, on peut changer d'objet? On peut le refaire, un jeu de cartes, ça... Allez, le trombone alors. Du papier si tu veux. Et le stylo. Papier non? Parce que non. Papier, on peut pas cacher quelque chose à l'intérieur. C'est vrai. Stylo, j'aurais pu cacher à l'intérieur quelque chose. Ouais, mais bon. Non, et en plus, le papier, je veux que tu le mettes toi en boule. Allez, vas-y, le trombone et le papier, tiens. Mais plie-le pour pas que tu puisses penser que je rajoute quelque chose à l'intérieur. Si tu dis que c'est peut-être cher, c'est peut-être de l'électronique, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Dis le prix cher ni pas cher. Si c'est pas cher, on va dire il y a un miroir. Si c'est cher, ça peut être de l'électronique. Si c'est... Entre les deux, ça peut être du fil. On va en faire trois. Allez. On recommence. Tu veux examiner un petit peu? Alors. Non, moi je veux refaire que le trombone et que le papier. D'accord. Main droite et main. Gauche. Ça? Ouais. Tu n'importe où, on fait comme ça. Mais j'ai pas mis de. Si tu trouves, c'est pas mal. Deux objets qu'on peut examiner à la loupe, rien à l'intérieur, papier pareil. Hein. Je peux les retoucher avant que tu les touches? Tu peux toucher. Bon, je vais pas faire le mec chiant, hein, mais bon. Non, mais c'est bien que tu cherches. Alors, très important, c'est les séparer d'un stylo. Ah oui. Voilà, parce que si tu les sépares comme ça marche pas. Mais on va quand même le faire comme ça. On peut faire comme tu veux. Tu peux mettre un stylo entre les deux. Tu peux mettre un... Voilà, tiens ça, comme ça, un mur. Un mur, comme ça, on voit pas. D'accord? Ok, super. Prédiction. Il n'y a pas un MBR, je vous laisse dépasser. Ok, comme ça tu vois.
Tu vas passer ta main au-dessus comme ça, oui. Sans toucher. Et tu vas en prendre un d'instinct comme ça, tu le prends, hop, ça dans y est. Ta main et tu le mets dans la main droite. Ok. L'autre, tu le prends comme ça vite fait, pouf, dans la main gauche. Ouais. Et moi, à l'avance, je savais que dans la main droite, il y avait le trombone et dans la main gauche, il y avait le papier. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Le jeu de cartes, tu veux pas, comme tu me l'as fait enlever. Ça non plus. J'aurais entendu le jeu de cartes. Non, c'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est pas mal. S'il n'y a pas de fil, donc pas de fil, c'est sûr. Il n'y en a pas, c'est bon, ça c'est évident. Pas d'aimant, ça ne servira à rien. Non, mais de toute façon, j'aurais pu l'enlever. Non, mais de toute façon. Il n'y a pas d'aimant, c'est un papier. Sous la table, il n'y a rien. Regarde, tu peux pas, je peux passer ma main. Dans mes chaussures non plus, parce que c'est les chaussures des sandales. S'il te plaît, ça. Si c'est de l'électronique. J'ai attendu le combien on est, le 22, 23, 24 juin pour te bluffer. Cette année, ça a été dur. Si c'est de l'électronique, j'arrive pas à savoir comment c'est possible. Non, mais il ne peut pas avoir d'électronique dans un morceau de papier. Mais tout à fait. Et surtout dans mes objets à moi. Tu me dises le prix. Tu pourrais me dire c'est bien aussi. Ouais, c'est très bon. Tu pourrais dire putain, tu m'as bluffé aujourd'hui. Non, non, c'est bien. Ça faisait longtemps. Non, c'est super. Bien. Ouais. T'achètes? Ben dis-moi le prix d'abord. Allez, ça, allez. Ça coûte quoi ça encore? À bientôt. 500 euros. Non, c'est pas mal. C'est vraiment bien.